bonjour à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une série de présentations de quelques jeux que j'avais envie de vous faire partager, certains que je vais découvrir. Donc j'ai une petite liste de jeux, à peu près 23 jeux. Voilà, et je me suis dit, tiens, voilà, je vais faire des petites vidéos courtes, juste histoire de présenter un peu le concept de chacun de ces jeux, sauf certains où j'ai décidé peut-être de faire un let's play dessus. Donc voilà, donc on va sans tarder, voici le premier jeu de ma petite liste, je mettrai à chaque fois dans la description la liste de ces jeux. Donc Artiste Colony, alors c'est pour la plupart des jeux gestion temps, des jeux casual game, qui permettent, quand on a un petit coup de... on a envie de passer de bon temps, un peu de se détendre et tout, c'est le genre de jeu que j'affectionne particulièrement, je me suis dit tiens, je vais les partager avec vous, des fois que ça pourrait vous permettre de voir et de découvrir des jeux plus ou moins intéressants. Donc Artiste Colony, en fait, j'ai passé rapidement l'histoire. C'est un parc qui a été construit pour des artistes, pour qu'ils développent leur talent et tout ça. Les parents de ces deux messieurs sont malheureusement décédés, ils ont hérité du truc, et voilà, à eux de tout remettre en place et de de faire fonctionner ce jeu. Donc gestion. Donc voilà, on va juste faire un tout petit peu, c'est pour vous montrer. Donc voilà, il faut nettoyer le parc pour accueillir les gens. Donc on les met au travail. Donc ici, c'est pour les mettre en apprentissage. Une pratique qui crée des chefs-d'œuvre selon leur spécialité, ce sont des artistes. Ici, fixer des habitudes à l'artiste, j'ai pas encore vu, puisque là je démarre chaque jeu à chaque fois, je pense que ça sera sur les tutos. Et là, c'est pour les faire travailler. Donc là, ici, dans ce cas-là, nettoyer le terrain de la colonie, puisque la colonie est bloquée par des débris, et à chaque fois qu'on veut découvrir autre chose de la colonie, il faut débloquer les débris pour avoir accès. Donc, et au fur et à mesure, il y a des artistes qui vont venir, donc je vais mettre en accéléré pour aller plus vite. Donc pareil, donc tous ces jeux, je vais vous les présenter. Hein, ce sont des jeux qui... Certains, j'ai déjà pu tester, d'autres, même pas encore démarré. Donc je me suis fait ma petite liste, j'avais envie de faire ça. Comme, entre guillemets, j'ai petit souci du Xbox Live sur ma Xbox, donc je suis un peu embêté avec mes vidéos sur Xbox. Donc tous ces jeux sont sur PC. J'essaierai de revenir sur quelques-uns qui sont sur Xbox, comme on n'a pas besoin de live pour y jouer. Mais pour le moment, voilà, je vous présente une petite série de 23 petits jeux plus ou moins intéressants, suivant les goûts et les couleurs. Donc c'est des casual games, gestion de temps. C'est souvent pour passer une ou deux heures quand je sais pas quoi faire. C'est ce que je me fais. Je me suis dit, tiens, ça peut peut-être intéresser d'autres gens qui connaissent pas. Hein, je les ai découverts en partant de certaines vidéos de YouTube de jeux qui me plaisaient. Je me suis dit, tiens, il y en existe sûrement d'autres. Et en cherchant, en faisant des recherches, et ben, voilà. Donc j'essaierai de vous mettre les liens de chaque distributeur de ces jeux-là dans la description. Accès, une fois qu'on a libéré les débris, on a accès à d'autres zones. Donc tant qu'ils sont restés en... Voilà. Donc voilà, ça c'est... J'arrêterai la vidéo après là. Donc dans chaque endroit, on a des endroits pour les artistes. Et donc du coup, faut les mettre à la création, faut les mettre au travail pour qu'ils apprennent. Lui, on va le laisser au nettoyage des débris, et notre petit Ben là, on va le mettre en création, ce qui fait qu'il ira automatiquement, quand il aura fini sa première tâche qui était là de nettoyer, il ira en
en création, c'est un peintre, Ben Peintre, un atelier de peinture, et puis voilà. Donc ce jeu a plein d'options, plein de... plein de possibilités, mais là je vous fais juste une petite démonstration concise. J'essaierai de faire un let's play dessus plus tard, au moins un épisode pour vous en montrer plus quand j'aurai fini toute ma série. Surtout si j'ai des ressources positives. Et voilà. Et en plus, pour la plupart d'entre eux, pardon, oula, désolé pour le micro, j'ai vraiment des soucis graves de micro depuis que j'ai cramé mon micro USB. J'essaierai d'en avoir un nouveau dès que je pourrai. Donc vous voyez, il a fini. Et donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met à la création. Donc voilà. Donc pendant ce temps-là, on peut travailler, bien entendu. Donc voilà, formez votre peintre jusqu'au niveau 1, nettoyez les débris. Donc il faut les laisser faire. On va attendre qu'ils ont fini. Donc pendant que lui, on peut aller voir notre ami Dylan, qui lui continue à nettoyer, continue à ramasser les débris. Il y a une caméra sur lui, hein, on peut le suivre à la caméra. Ben, lui, continue à travailler. Alors là, par contre, niveau d'énergie, d'accord, faut qu'il pense à se reposer. Niveau d'aspiration, ok. Bon, ça, je pense que le tuto plus tard nous montrera, nous indiquera ce qu'il faut faire en partie. Mais je vais pas aller plus loin. Hein. Au début, je voulais même vous les faire. Les débuts sans commenter. Ce que je vais sûrement faire avec les 22 prochaines, sauf Bridge Project, je peux déjà vous l'annoncer, qui sera la vidéo 2, ou la première vidéo où je parle, et que je vous l'annonce déjà en let's play. Bon, résident a fait des progrès en peinture. Ok. Voilà, donc on voit, il a fait des progrès. On va arrêter ici. C'était juste pour vous présenter. Voilà, le titre c'est Artiste Colony. Vous voulez l'essayer, le lien sera dans la description. Il y a un lien pour pouvoir l'acheter et un lien pour pouvoir l'essayer une heure. C'est fait par Big Fish Games. Voilà. Ok. Hop. Voilà, bah, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc dans les prochaines, à part Bridge Project, il se peut que je ne vous fasse pas de commentaires à cause de mon micro, désolé. Et voilà, c'est juste voilà une petite série qui vous montrera les 23 petits jeux que j'ai l'intention de me mettre dessus pour passer le temps ou autre. Alors, je vous dis à bientôt, bye bye, merci d'avoir suivi cette vidéo, pensez à laisser un commentaire, pensez à laisser un j'aime, et si jamais ça intéresserait qui que ce soit, que ces vidéos, ces 23 méritent de qu'un let's play soit fait, bah je programmerai des let's play et ça me permettra peut-être d'avoir des petits épisodes courts, plusieurs par semaine. Voilà. Bye bye tout le monde.